Docteur Click. Moshi Moshi Tokyo. Les coups d'enfant semblent attentiner rigide. Allez dire ça au Covenant. Salut les amis, c'est Joazar, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo découverte sur Days Gone, donc sur PS4. Donc dans ce jeu, on va devoir incarner Deacon St. John et affronter des idiots mutants et des humains sans merci dans un monde ravagé par une pandémie mortelle. Donc voilà, je vais lancer ça. Et on va découvrir ça ensemble. Ouais, si j'allume pas ma manette, ça ne va pas aller. Voilà, donc un fichier de mise à jour. Ça fait un petit moment que je l'ai eu à prêter et je n'ai toujours pas fait la vidéo. Ça fait bien 2 semaines que je l'ai eu à prêter. Honte à moi. Alors maintenant, je vais me taire. Ça va être certainement la petite intro. Après le chargement, bien sûr, qui est long. Créneau de Dieu. Ça, c'est du chargement. Hein. Eh ben dis donc, le chargement de départ, il est bien long. Hein. Au montage, je couperai quand même une bonne partie. Mais waouh! Afficher les résultats pour le logo des secondes soit à peine visible. Ouais, comme ça. Alors, option. Pied, moto, top, top, top. On verra bien. Audio. Langue, voix français, texte français, sous-titres français. Sous-titres, je vais la mettre parce que comme j'ai baissé le son de ma TV pour refaire la vidéo, je n'entendrai quasi rien de ce qu'ils disent. Et on va lancer une nouvelle partie en difficulté normale. Comme vous pouvez le voir, c'est le chaos. Elle est brûlante.
Aïe, aïe, aïe. J'étais bête. C'était une gosse. Juste une gosse. C'était juste une gosse. Avec un gros couteau. Hé, hey, aide-moi. Allez. Ah. Ok, viens. Merde. Encore une fois. Donne-moi le filet avant qu'ils arrivent. Faut qu'on monte sur le toit pour faire signer ces hélicos. Je m'en occupe. Attendez, aidez-nous, elle est blessée. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a pas le truc qui touche les autres. C'est un coup de couteau. Je peux plus prendre personne. Ok, écoutez, O'Brien. Si on la conduit pas à l'hôpital, elle va y rester. Il n'y a plus aucun hôpital. Comment ça, plus d'hôpital? Vous avez des docteurs, un tri des blessés, des militaires? Hey, écoutez, je suis en dernière année, ok? Je me suis porté volontaire, je suis même pas censé être là! Ryan! Ok, merde. Je peux prendre que deux personnes, ok? Deux! Quoi, vous avez de la place que pour deux? On est en surcharge, ok? Je peux en embarquer que deux, c'est tout! Ok. Allez, aidez-moi, allez! Ma chérie. Ça va aller. Tu vas t'en tirer. Je m'en occupe. Je reviens tout de suite. Ok, Boozer. On y va, faut qu'on t'embarque. Faut qu'on monte dans le grand Ulga. Ils ont de la place que pour deux à bord. Alors vas-y. Va avec elle. Je vais me tirer. T'inquiète, j'en ai vu d'autres, pas vrai? Hein? Ouais, c'est vrai. Vous allez où, là? Quoi? Vous allez où? Au camp de réfugiés, Swiftfinger Jack, à l'ouest. Non. Boozer s'en sortira pas si je pars avec vous. Un magnifique décor. Une belle petite peluche. Coupe ton moteur. Merde, elle est vivante. Alvarez. Et Alvarez. Alvarez, qu'est-ce qui s'est passé ici? Hein? Qui a fait ça? C'était un coup des Reapers? Ah, j'adore son look complètement badass. Allez.
Ok. X pour activer le turbo, au nom de Dieu. Grosse bécane, mais ça ne va pas vite, hein. Je pense qu'avec mon scout, mon maxi scout, je vais un peu plus vite que ça quand même. Oh, il y avait une biche. Biche, hein, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Ouais, c'est ça, Joe. Chante pas, tu vas te prendre un arbre. Essayer de me concentrer parce que je vais pas dire que la conduite est compliquée, mais c'est très sensible. Elle part vite en sur la gauche ou la droite, mais bon, pour se rattraper il faut appuyer quand même assez fort dans une direction, mais pas trop. Ça, je me comprends, mon Dieu. Ah ouais, bah tiens, là c'est la loose totale. Espèce de fils de pute! Tu l'as tout fait? Oui, je crois. Enfoiré. Je crois que je ferai partie des très rares vidéos découvertes où le héros se plante dès le départ à mon tour. J'y étais presque en plus. N'empêche, comment il s'est torché là. Couvre-moi. Je te suis, mec. Dire qu'au départ, il disait il s'en sortira pas si je le laisse seul. Mais est-ce qu'il va s'en sortir avec moi, avec Joe Hazard? Là, c'est moins sûr. Pistage, appuyez sur R3 pour activer le mode survie, découvrir des indices et des informations sur votre environnement. Où est-ce qu'il va? Y a rien ici. Ah ouais, bah, y a la trace là, ok, j'ai compris. Je me suis peut-être planté à son sujet. Il a peut-être pas de deal. Non, ça fait un bail que Léon fourgue du matos à Copland. Ça finit par le rattraper. En tout cas, les décors sont magnifiques. Moi, j'adore les jeux qui se passent dans la nature, donc... Pistage, indice. En mode survie, votre manette sans fil DualShock vibrera quand la caméra fera face à un indice. Les vibrations seront de plus en plus fortes en fonction de la proximité de cet indice. Ok. Ah ouais, je le sens là. Je le sens. Oh oui, je sens que ça vient. Excellent, c'est bien fait. Au fait, où t'as appris à pister comme ça? J'allais chasser l'élan avec mon vieux quand j'étais môme. Pister des bêtes sur les kilomètres. J'adore cette flore. Qui n'est pas, je vous rappelle, je ne vous parle pas de la flore intestinale, mais la flore de la nature. Ah, y a, ça c'est quand on fait des plaisanteries à deux balles, Joe. Merde. Allez. Ça va, frangin? Ouais. C'est juste une égratignure. Ce fils de pute vise comme un pied. Putain de merde. Ça va, Mouser? Sûrement pris par là, vers la cascade. Il pisse le sang. Il ira pas loin, allez, viens. Fouille-le. Tu te vides, hein? Sale façon de crever, c'est lent.
Oui, ça fait un mal de chien, mais ça tu le sais déjà. Elle était encore en vie quand on l'a trouvée, fils de pute. J'allais sûrement pas gâcher une balle pour elle. Attends, on s'énerve pas. Où sont les médocs, Léon? Si tu te mets à table, moi au moins, je te promets que tu auras droit à une mort rapide. Je crois que tu souffriras pas très longtemps, Léon. Je t'explique, t'as un petit souci. Il flaire ton sang qui coule. Et de très très loin, à ton avis, ça fait quel effet, hein? De se faire étriper. Et bouffer tout cru. Il va pas tarder à le savoir. Va te faire. Adieu, Léon. Attendez! D'accord. Partez pas. C'est juste... là, tiens. Où ça? Dans le cimetière. Je les ai cachés dans le vieux cimetière. Merci. T'avais dit que... Merci. Ne laisse pas clamser comme ça. Vas-y. Les visages sont super bien faits. Enfoiré menteur! Comme Boozer, il est baraqué, hein. T'as pris la bonne décision, mon frère. Pas question de laisser quelqu'un en butant. Et un petit trophée, mon précieux. Ça y est, on va croiser Gollum. Et il se met à pleuvoir. Le vent monte. Comme ici, je suis en train de jouer, la fenêtre est ouverte et le vent monte également. Je sens cette légère brise toute fraîche sur le bout de mes tétons. Vous fouillez ce camp, au cas où il y aurait quoi me rafistoler. Ramasser. Il y avait un truc à ramasser là ou quoi? Ici. Ici. Ouais, tu vas bien me servir. Alors, ici. Maintenir L1 pour ouvrir le menu de survie. Hop. Orienter aux catégories médecine et choisissez le bandage. R1 pour fabriquer. Il faut pas le lâcher. Hein. Pour vous soigner à partir d'une minute de survie, sélectionnez le bandage et maintenez R2. Voilà, ah bah, ça l'a mis tout seul. J'aurais pu faire une petite animation quand même. Allez, on sprint. Si on a mis un bandage, du coup, on est balèze. Je pensais qu'on irait chasser cette nuit et rapporter quelques primes à Tucker. Ah, s'il pleut des cordes, frangin. On a besoin des crédits. Faut qu'on fasse des réserves. Ah ouais, il y a quand même une barre de... D'accord, mais je veux pas passer toute la nuit dehors. Comment vais-je dire? Enfin, pour son souffle, quoi. Oh, c'est bien fait, franchement. Toutes ces feuilles et tout qui bougent, c'est... Je kiffe. Si je peux prendre des pièces. Non, mais bordel. Quoi? Le fils de pute. C'est l'arrivée d'essence ou tu t'es pissé dessus? La pompe à carburant. Léon, ouais, il m'a flingué ma pompe en fluor. Ça donne quelque chose, sa moto? Non, elle est foutue. Écoute, on n'a qu'à retourner au Mont Oliri. Demain matin, on ira te trouver des pièces détachées pour ta bécane. Non, je crois que j'ai une meilleure idée. Autant s'en occuper tant qu'on est là. Quoi? Chez Crazy Willy, c'est pas loin d'où on est. On a qu'à y faire un tour. C'est quoi ton plan?
On devait sortir chasser cette nuit, non? Chez Crazy Willy, c'est aussi bien qu'ailleurs. Ok, ça roule. Hey, la file est quoi, Léon? Une espèce de carte. Quand on aura récupéré ma bécane, on ira fouiner du côté du cimetière. Ouais, ça roule. Bon, demain, on récupère les médocs, on les rapporte à Tucker et on collecte la prime sur Léon. Après, on file vers le nord. Et tu penses que c'est différent dans le nord? On s'en fout, ça nous ferait du bien de nous tirer d'ici. Attends, la route est bloquée. Fais gaffe. J'ai vu un piège de ce genre il y a deux jours. Les Reapers avaient barré la route avec une vieille camionnette. Allez, aide-moi à la bouger. Véhicule à pousser. Certains véhicules peuvent être déplacés pour dégager ou obstruer une voie. Maintenez et carré pour les pousser. Ouais. Ouais. Pousse ! Ah ouais, désolé, hein, cher conducteur ou conductrice. Oh putain! Astuce de survie, appuyez sur R2 pour réaliser une attaque de mêlée. Ok. Tiens, prends ça dans la mêlée. Et paf! Oh là, c'est direct, hein! Elle en direction d'un ennemi, appuyé sur R2. Paf! On ne rigole pas. Ouais, il faut retenir tout ça encore. Hein. Wow! Excellent! Oh, 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 oh. Oh nom de Dieu, mais quel kiff! Wow! Ah. Oh mais j'adore. Regardez-moi ça, les branches de sapin et tout. C'est magnifique, ça donne super bien. On approche du vieux checkpoint du Nero. Là tu ressens vraiment la tempête. En tout cas graphiquement il est super joli. Pas demander ce qu'il doit donner en 4K. Je le trouve déjà magnifique comme ça, alors waouh. Attention, vous servant une menu de survie, vous restez vulnérable, ok, bah ouais. On dirait qu'ils sont retrouvés acculés au checkpoint. Faire son bandage et foutre un coup de boule en même temps, c'est pas évident. Plutôt finir 6 pieds sous terre avec ces foutus pionniers. Ouais, bon sang, regarde-les. Quelle bande d'abrutis tous autant qu'ils sont. Ils ont dit aux fédéraux qu'ils attendraient bien sagement que la horde vienne les bouffer ou quoi? C'est moche de partir comme ça, dans un trou à rats de ce genre. On peut fouiller apparemment les véhicules aussi. Un chiffon. Fonfon. Pour faire les petites marionnettes. Encore un chiffon. Days Gone, le jeu où tu peux devenir chiffonnier. Merde, je sais même plus le bouton que c'est pour sprinter. Tu sens ça? Oh putain. Oh, il a lâché un gosse. Ouais, bon. Farceur. Attends, pas demandé. Il te reste combien de molotov? Laisse, on verra ça au retour. Ouais, ouais, c'est ça, la vache. Je rêve, tu cherches vraiment la merde.
Tu l'as trouvé, on dirait. Maintenir R2 pour viser, appuyer sur R2 pour tirer. Pouf. Pouf. Hey, Dick, mec. Je crois qu'il est mort. Ouais, moi aussi. Tu vas me péter mon fusil. Là, rien à foutre. Ok. De camp de réfugiés. T'agis comme ça que quand tu penses à y retourner. J'agis comme quoi? Pas responsable de sa mort. Laisse tomber. Si t'étais monté dans l'hélico avec Sarah, tout ce qui aurait changé, c'est que tu serais mort aussi. Laisse tomber, je te dis. Il y avait un truc à ramasser ici, non? Ou alors ça se ramasse automatiquement, certains trucs. Je sens que je vais sursauter là. C'est pas normal. Oh putain! Saleté d'alarme. Rentre, saloperie! Ok, c'est bon. Ok. On les prime. Une oreille de grouilleur. Oh, on peut ramasser leurs oreilles, tiens. Sans doute qu'on peut faire un pendentif. On va éteindre l'alarme. Ah. La ferraille, cool. Oh, vivement qu'on soit sorti de ce tunnel de brin. On passera pas par là. Hé, hey, essaie ce tunnel de service. Vois si tu peux nous dégager un passage par l'autre côté. Ça marche. Braque ton phare par là-bas. Les munitions. Ça, ça fera du bien. Bon, par contre... Oh là 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 là. Ah, par ici. Nom de Dieu. Oh putain. Allez, allez, allez. Paf. Et claque. Oh, il est fort, hein. Oh, mon avis, le frein à main était pas mis. Lol. Oh putain, merde. Encore fait une connerie, évidemment. Oh putain. Laisse-moi éteindre cette putain d'alarme. Merde, je suis mort ou quoi? Oh purée. Ça y est, le reblaco. Ouais. Ok.
encore des mutants ? Allez, une balle pour Dieu. Et ils sont tombés en chorégraphie, c'est magnifique. Ils ont été bien dressés. Celui-là ne fera pas de vieux os. Lol. Ici. Il y avait un machin tout à l'heure et il n'y a plus. Bon bah, tant pis. On y est, on y est. Oh, petit nom de Dieu. Ouais, je le sens. Il te reste combien de Molotov ? Tu viens d'utiliser le dernier. Et il te reste de quoi en faire ? Bah vas-y, fais un. Fais-en un. L1 pour le menu de survie. R pour catégorie jetable. Jetable, c'est où ? Merde. C'est là ? Non. Ah, jetable, R pour trouver qu'un jetable soit laissé Molotov. Ouais, R1. Ça fera l'affaire. L2 pour viser et R2 pour lancer. Merde. Ils arrivent. Putain. Ah ouais, tu peux être caché, toi. Allez, on va récupérer son oreille. Faire un gris-gris. Je sais pas combien il y en a déjà des oreilles, mais waouh. Tu me fais, toi. Tu viens pas? Ah, tu m'attends, en fait. Réfléchis à ce que t'as dit, de partir vers le nord. Moi, ce que je dis, on devrait se tirer d'ici. Ça te changerait les idées. Demain matin, on récupère les primes et on met les voiles. Bien parlé, frangin. Ça me plaît. Regardez-moi ça, ces décors, c'est waouh. Bienvenue à la foire aux monstres. De partout. J'aurais pu jouer dans Prison Break. Hein. Ah, parce qu'ils se bouffent entre eux. Ils ont tous des spasmes. Tu vas traverser le patelin pour en attirer un maximum derrière toi, ok? Et moi, pendant ce temps, je passe derrière la butte pour rejoindre le garage. Putain. Non mais laisse-moi juste le temps de trouver les pièces dont j'ai besoin, ensuite tu reviens et on se tire en vitesse. Quand j'en aurai refroidi quelques-uns. Sérieux, t'as vraiment envie de crever? Comme je te disais, pas aujourd'hui. Excellent. Allez. Ah ouais, il y en a quand même quelques-uns. Moi j'étais là en train de foncer déjà. Saleté de tétard. Et je dois aller où? Allez, fichez-moi le camp, saloperie. Par là. Ah ben voilà, il se casse. J'ai bien fait de pas avancer trop vite. Des trucs à ramasser. Tétards. Les tétards sont craintifs
et ils se cachent dans des endroits difficiles à atteindre, comme les toits. S'ils sentent que vous êtes affaibli ou s'ils se sentent menacés sur leur territoire, ils attaqueront. Ouais, c'est ça. Restez là-bas. Ça fout les boules quand même. On se croirait dans la colline à des yeux là. Hop là, ici. Kérosène. Ah là, je vais foutre le feu là. C'est peut-être pas une bonne idée. J'ai plus de cocktail Molotov, si. R1 fabriqué. Matériaux requis. Ah, il manque une bouteille de bière. C'était pas très furtif, hein. Il aurait pu me voir quand même. Voilà, on a max de ferraille. Il faudrait trouver une bouteille de bière. Ah bah la voilà. Fabriquer ça ici. Et je vais retourner d'où je viens pour aller faire cramer le bazar. C'est peut-être pas une bonne idée, mais... quelques oreilles et non pas des oreillettes Bluetooth. Une manzanita piquante. Allez, buisson. Les buissons permettent de vous cacher si vous n'avez pas été repéré. Restez accroupi et cron, utilisez des cailloux pour créer des diversions. Ok. Et les cailloux, je les lance comment? Distraction, cailloux. Encore un chiffon. Putain, ils sont quand même... J'ose pas y aller, hein.
Bon, le caillou, je l'ai lancé par là. Pourquoi tu vas voir par ici Putain, c'est flippant quand même. Tchou. Que je suis quand on m'a soigné. Yep, voilà, ça fera du bien. Et qu'est-ce qui me manque encore? Trouver le garage. Crazy Willy. Ah ouais, juste. Ça ne nous indique pas. Où il faut aller. Pardon. Oh putain. Je me suis mal pris là. Ah t'es solide toi hein. Faire cramer ce truc ou... Oh. C'était son dernier souffle. Qu'elle essaie d'attaquer. Ah ouais, donc apparemment là où sur la carte il y a tous les petits carrés rouges. C'est des trucs où c'est cramé. Mais bon, faut trouver à chaque fois aussi. Ici on sait le faire, mais faut trouver des bouteilles, c'est ça le souci. Kérosène. Ah ouais, ok. Utiliser les bannières d'ordure pour cacher des mutants. Bah ouais, mais bon. Là en fait, j'essayais de fouiller au départ. Du bandage, en fait, on aura dit du papier cul. Une batte. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? On va fouiller. On va pas aller se cacher dans le frigo quand même. Stérilisant. Encore du bandage.
sert à rien d'aller. Une camomille puante. Oh putain. Oh, c'est trop tard. T'as vu, fieu. Je vise à côté en plus. Voilà, on y est. Faites attention quand vous cueillez de la camomille puante. Oh putain, comment il m'a accroché, lui. Oh purée. Il faudrait le cramer. Et manque toujours cette satanée bouteille de bière. Nécessite la combinaison du coffre. Bah ouais, tiens. Combinaison de coffre, ah bah cool. Et il est où? Je me rappelle déjà plus où est le coffre. Ici. Un attracteur avec un distracteur en main, maintenez L2 pour viser, appuyez sur R2 pour lancer. Ok. Ça, on va pas la prendre. Bordage, ça sera toujours bon. Allez, j'ai récupéré. Maintenant, je vais aller par là. Qui me dit d'aller par là? Quoi? Je rentre comment, Biloute? Et je rentre comment? Par là, si on sait, tu as une main et fortiche quand même, putain. C'est le moment de le faire sauter. C'est bien ce que je pensais. Putain, mon Dieu, qui m'a saisi, t'es enfoiré. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Maintenant, on prend le bidon, hein. Nounouille. Babache.
trouver une pompe à carburant. J'aime bien, je saute et du coup je perds mon bidon. Oh putain! Joli, en pleine tête. Encore me re-soigner du coup. Matériaux requis, stérilisant, oh putain. Bon, je dois aller où là, Biloute? Il doit bien y avoir une pompe à carburant quelque part. Silencieux, atténuer le bruit de vos armes en leur ajoutant un silencieux. Sélectionnez une arme compatible dans le menu de survie, appuyez sur R1 pour remonter le silencieux. Bon ben, pour le moment, j'ai rien à faire. Boozer, t'es là? J'ai trouvé la pièce. Yeah! Dirige vers l'autoroute. Dick! Des Reapers! Des Reapers! Non, non, non! Ah non. Merde! Des Reapers. Boozer! Boozman! C'est pas vrai. Ah, je vais me soigner parce que sinon. Bon ben là, on va falloir ressortir par ici. Tiens bon, Boozman, j'arrive. Merde, des Reapers. Oh punaise. Sont sadiques en plus, ces salopios. Ah non, c'est. Ouais, c'est autre chose. Lâchez-moi! Votre fils de pute! Hé, Motard! Tu dois être déchu, Motard! Car tu es égaré et nous avons été trompés! Putain, Ti! On va te montrer! Toi, n'a pas été trouvé! Tu es égaré! Renonce! Couverture, mettez-vous à couvert en appuyant sur la touche rond pour vous baisser. Épaule de visite, tout en visant qu'elle doit appuyer sur X pour changer d'épaule. Ouais, tiens, il y a beaucoup de trucs à retenir, hein, putain, Ti. Bon, on va essayer le coup du petit caillou. Hey, par ici! Bande d'enfoirés, lâchez-le! Fils de pute, ça suffit! Okay.
T'as qui c'est qui me tire dessus? La jambe contre la bagnole. Attends, je vais te faire la peau jusqu'aux oreilles. C'est pas vrai. Et merde! Putain, t'es arrangé. Arrête, fais pas pour vrai, allez, debout. Faut pas qu'on traîne. Aurélie. Je m'attendais, je sais pas plus tard. Punaise, regardez ce qui arrive là au bout. Je suis tombé dessus, j'ai rien compris. Oh, ok. T'as vu mon bras? Regarde pas. Mon bras. Oh, j'ai mal vu alors. En tout cas, toute une bande. Ah si, bah j'aurais bien vu. Waouh. Un petit trophée, simple égratignure. Donc brûler tous les nids d'une infestation extermine les grouilleurs de la zone. Mais j'avais presque brûlé tous les nids tout à l'heure. Il m'en restait quoi, deux, je pense. Putain, j'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Oh, en tout cas, graphiquement... Je le répète, mais il est super bien. T'as qu'à m'attendre ici. Je vais m'assurer que il est excellent à jouer. Dans tes rêves, mais bon, pour tenir toutes les manips et tout à faire, c'est pas toujours évident non plus. Bon, mais waouh, ce jeu est une pure merveille, une tuerie. Je vais refaire. Bon, j'espère que je saurai le choper en édition spéciale. Steelbook. Et aussi des trucs pour ton bras, ça va aller. Ouais. Cool. Ouais. Je vais faire un saut au checkpoint du Nero. Ils doivent avoir des bandages stériles ou... Attends, laisse pas ma bécane là-bas. Non, 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 t'inquiète. Je vais y aller à pied tant qu'il fait encore jour. Hé hey. J'ai des munitions, si tu veux. Dans le casier près de la porte. Merci. Hé hey. Laisse mon fusil à pompe. Hé, hey, Boozer. Ok, tiens. Voilà. Ça va être chaud hein, sans le fusil à pompe. Mais bon, à mon avis, il y en a plus besoin que moi. Des drifters dans la montagne. Voilà, voilà. Ben, je vous propose qu'on arrête là donc pour cette vidéo découverte, les amis. Presque une heure qu'on est ensemble. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi j'ai bien kiffé le début de cette aventure et bon donc j'ai mon ami qui va récupérer son jeu en édition spéciale, j'espère pouvoir le trouver en édition spéciale en occasion par après parce que franchement le steelbook est très joli, le pack est très joli avec le CD audio, le CD de la bande originale, le boîtier steelbook, un mini artbook par Dark Horse Comics. 3 skins de moto de drifter, accès rapide à la capacité clé à molette et un thème dynamique PS4. Voilà, voilà. Bah, j'espère donc que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à commenter. J'adore vos commentaires et je vous y réponds dès que je sais. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains lives, etc. Portez-vous bien, jouez bien. Ciao, ciao.